Alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes les choses. Tu étais, tu es et tu seras l'agneau de Dieu qui est dit de ma louange. L'agneau de Dieu qui est dit de ma louange. L'agneau de Dieu qui est dit. Béni du ciel sur la terre, me réconciliant avec le Père, en pâtissant de plein de grâce, afin que je vive devant sa face. Béni du ciel et sur la terre, me réconciliant avec le Père, en pâtissant et plein de grâce, afin que je vive devant sa face. Ah, ah, ah. Par ta mort, moi j'ai la vie. Par ta vie, moi j'ai la grâce. Car ton sang m'a racheté de la mort et du péché. Par ta mort, moi j'ai la vie. Par ta vie, moi j'ai la grâce. Car ton sang m'a racheté de la mort et du péché. Oh, oh, oh. Ta grâce dans ma vie surabonde, lorsque moi ton amour déborde, qui m'introduise dans ta plénitude, quand moi paraisse ton attitude. Ta grâce dans ma vie surabonde, lorsque moi ton amour déborde, qui m'introduise dans ta plénitude, quand moi paraisse ton attitude. Oh, 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 oh. Tu étais avant le monde, tu as vécu dans ces mondes, tu seras après les mondes, ton règne est éternel. Tu étais avant le monde, tu as vécu dans ces mondes, tu seras après les mondes, ton règne est éternel. Alléluia, 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 ton règne est éternel. Alléluia, 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 ton règne est éternel. Oh, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Est éternel. Alléluia. L'honneur, la gloire à toi, notre majesté. Toi qui règne génération à génération. Être en sécurité, manger ce que l'on veut, nous multiplier en toute sécurité. Il y a des choses qui vont mal. Tu dois respecter ce que le Seigneur dit. Parce que c'est ce qui va te garantir. Ce qui te garantit, c'est ce que le Seigneur dit. C'est la parole de Dieu qui te garantit. La parole qui t'analyse. C'est ce qui te maintient par autre chose. Tu ne connais pas ce qui te revient de plein droit. Quelqu'un viendra te dire ce qui te revient de plein droit. Et lui va te dire. Donc toi tu vas accepter à cause de l'ignorance. Amen. Pourquoi Jésus dit mon peuple est péri à manque de connaissance. L'alliance va te préserver de certaines situations que tu ne peux pas combattre. Il y a des démons que tu ne peux pas combattre. Amen. Tu as besoin d'être dans une alliance. Tu ne peux pas être à l'église.
Tu as le Père et tu n'es pas en alliance avec cet homme. Amen. C'est pas possible. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, si toi-même tu ne recordes pas, tes enfants vont recorder. Voilà pourquoi il faut toujours faire le bien. Tu as besoin de l'alliance. Tu as besoin de rentrer en alliance avec ton Père spirituel. Sérieusement. Shalom, shalom, j'espère que vous me recevez maintenant. Alléluia. Si vous me recevez, envoyez-moi un message. Voilà, je crois qu'il y avait un problème de son tout à l'heure. Gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Ok, voilà. C'est bon, je crois qu'il y a maintenant le son. Shalom, mon fils Karl, que Dieu te bénisse. Si vous me recevez maintenant, essayez de me faire signe. Il y avait un micro qui était fermé. C'est la raison pour laquelle vous ne me recevez pas. Donc, nous venons à peine de le régler. Est-ce que vous me recevez maintenant? Est-ce que vous recevez? Est-ce que vous recevez? Est-ce que vous recevez? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'attends vos messages si vous me recevez. S'il y a maintenant le son. Comme a dit quelqu'un tout à l'heure, il n'y avait pas le son. Est-ce qu'il y a du son maintenant? Je vais regarder si j'ai le son. Ok, d'accord.
Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Je crois qu'il y a maintenant le son, maman Philippa, parce qu'il y a ceux du Gabon qui viennent de me dire qu'ils entendent. Donc, je vais récapituler. Hier, nous avons parlé, depuis le début de la semaine, nous parlons de comment se positionner dans le chronos pour vivre le kairos de Dieu. Nous avons lu dès le début de ce programme, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc aussi, le chapitre 4, verset 13, que le diable s'était retiré du Seigneur pour un moment favorable. Et moment favorable ici, c'est ça Kairos en fait. C'est parce que Kairos signifie moment favorable. Moment de basculement. Ok? Donc, nous avons parlé hier et nous avons dit hier que pour pouvoir se positionner, il faut connaître le plan de Dieu concernant ta vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant ta vie? Deuxièmement, il faut demander à Dieu l'intelligence pour comprendre les temps, comme le fils d'Isaac. Nous avons parlé de ça. Troisièmement, nous avons dit qu'il faut prier selon la volonté de Dieu, selon les Saintes Écritures. Ça veut dire que prier sur la base de ce qui est écrit. Alléluia. Trois choses. Et nous avons parlé hier. Ce matin, je vais vous parler de trois choses. Premièrement, pour pouvoir se positionner dans le chronos, afin de vivre le kairos de Dieu, il y a trois autres éléments que je vais vous apporter sur ce matin. Le premier élément, c'est le jeûne. Le jeûne. Alléluia. Le jeûne. Je vais parler un peu beaucoup sur le jeûne parce que beaucoup de gens ne savent pas même pourquoi il faut jeûner. Beaucoup de gens ne savent pas quand est-ce qu'il faut jeûner? Jésus a dit quelque chose de très, très, très fort. J'aime ça parce que un jour, les pharisiens sont venus lui poser la question. Ils ont dit, mais toi, tes disciples, pendant que tout le monde jeûne, toi, tes disciples ne jeûnent pas. Ils sont en train de manger, toi-même aussi tu manges. Les gens sont en jeûne, toi, tu ne jeûnes pas. Toi, tu es quel genre de maître? Alléluia. Et Jésus va leur dire quelque chose. Jésus va leur dire, lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Alléluia. Il a dit, lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Alléluia. Luc chapitre 5, le verset 35. La parole de Dieu dit, les jours viendront où le pouleur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Cela veut dire que une personne, l'une des raisons qui doit amener quelqu'un dans le jeûne, c'est lorsqu'il constate que l'époux n'est plus là. Ça. Parce qu'en fait, le jeûne te rapproche de Dieu. Le jeûne ne rapproche pas Dieu de toi. C'est le jeûne te rapproche de Dieu. Faisons la différence. Quand tu jeûnes, c'est pas que Dieu va se rapprocher de toi. Dieu, il est partout. C'est toi qui te rapproches de Dieu par le jeûne. Amen. Et ce n'est pas un jeûne comme les gens le font le plus souvent. Ils restent de 6h à 18h sans manger. Ils ne prient pas, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Et puis après le soir, ils font une courte prière. Sanctifié, Seigneur, toi-même tu sais, Seigneur, voilà, je sanctifie et puis c'est fini, mange. C'est pas ça. Je ne parle pas de ce genre de jeûne. Je parle du jeûne où quelqu'un décide d'aller à la rencontre du Seigneur et à chaque tranche d'heure de la journée, il est en contact. C'est-à-dire qu'il parle à Dieu, il médite la parole. C'est-à-dire que ce sont des temps où quelqu'un décide de pouvoir mettre en suspension toutes ses activités pour chercher la face de Dieu, pour chercher à revoir le Seigneur. Vous voyez? Parce qu'en fait, vous voyez, le jeûne,
le jeûne, quand quelqu'un rentre dans le jeûne, quand quelqu'un décide de jeûner, amen, il arrête l'évolution des œufs, de la volonté de la chair. Si vous voulez ça ainsi, c'est-à-dire qu'il humilie sa chair, okay? Il humilie son ses désirs charnels. Il les suppresse pour laisser son esprit être au-dessus, donc s'éveiller, afin de mieux entendre Dieu, afin de mieux percevoir les choses spirituelles. Parce qu'un homme qui jeûne, c'est un homme spirituel. Quand quelqu'un dit « je vais faire un jeûne », cela veut dire qu'il veut s'élever spirituellement. Vous comprenez? Il veut s'élever spirituellement et diminuer l'effet des désirs de la chair. Vous comprenez ça? C'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un qui jeûne, par exemple, c'est quelqu'un qui ne va pas vers une femme, ou bien c'est une femme qui ne va pas vers un homme. Il ne voit pas. Il ne fait pas. En fait, il est isolé quelque part. Et pendant ce temps, il médite, il prie. Alléluia. Donc, pour être capable de se positionner dans le kairos, il fait ça dans le kairos. C'est-à-dire que le jeûne se fait dans le chronos, pardon. Le jeûne se fait dans le chronos, pendant le kairos. Le jeûne se fait dans le chronos, mais l'impact du jeûne se fera dans le kairos. C'est-à-dire que, à cause du jeûne, amen, tu vas déclencher dans le temps kairos de Dieu, donc le moment de Dieu. Amen. Tu vas déclencher dans le monde de l'esprit, dans le monde infini de Dieu, un temps où Dieu viendra intervenir et viendra agir. La Bible dit dans le livre de Daniel que Daniel, lorsque tu as eu à cœur de prier, lorsque tu as eu à cœur, dans le livre de David, il n'avait pas encore commencé à prier, mais lorsque Daniel avait eu à cœur de prier, Dieu avait envoyé l'ange. Mais Daniel n'avait pas reçu la manifestation, vous voyez. C'est-à-dire que l'ange qui a la capacité de pouvoir quitter le ciel et venir sur la terre en l'espace de dixièmes de seconde avait fait 21 jours pour venir vers Daniel. L'ange a quitté le ciel, il a quitté le trône de Dieu pour venir libérer le message à Daniel après 21 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le prince de Perse l'avait résisté. Ça veut dire qu'il y avait une position dans le monde infini, dans le monde spirituel, qui s'opposait. Hein, il y avait une opposition qui refusait que l'ange puisse venir, que l'ange puisse délivrer le message. Vous comprenez ça? C'est la raison pour laquelle il faut comprendre le thème que je suis en train de partager avec vous. Comment se positionner dans le chronos, donc notre temps, le temps dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes à vendredi aujourd'hui, et il est ici à ma montre, il est 5 heures du matin. Vous voyez, donc cela veut dire que là, nous sommes dans le chronos, nous ne sommes pas dans le kairos, nous sommes dans le chronos, nous sommes dans un temps physique bien défini, bien mesuré. Alléluia. Mais lorsque nous commençons à prier ou bien que nous commençons à jeûner dans le chronos, nous sortons du chronos pour entrer dans une dimension infinie. Et dans cette dimension infinie, nos prières sont prises par le Seigneur, par un ange de l'Éternel, selon qu'il est révélé dans le livre de Apocalypse chapitre 8. Un ange du Seigneur va récupérer nos prières. Et il va les mélanger avec du feu qui est sur le trône. Et il va jeter ces prières-là sur la terre. Et la Bible dit qu'il y aura des voix. Il y avait des tonnerres et des tremblements de terre. C'est la manifestation, okay, de ce qui s'est passé dans le chronos. Et le kairos, vous comprenez, a intervenu. C'est-à-dire que le temps de Dieu, où Dieu parle, où Dieu déclare, où Dieu dit des choses. C'est ça là, le temps kairos de Dieu dans nos vies. Mais pour se positionner là-dedans, il faut pouvoir comprendre qu'il y a un mécanisme, le mécanisme du jeûne. Le jeûne fait partie des éléments qui vont te positionner. Parce que dans le jeûne, tu pourras entendre Dieu te parler. Et
et tu pourras entendre Dieu te délivrer un message. Daniel est resté 21 jours. Pas parce que Dieu n'avait pas envoyé le message avant. Dieu avait bel et bien envoyé le message quand il a eu à cœur. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas parlé. Mais il s'est monté dans son esprit. Et puis, Dieu avait vu parce que Dieu regarde nos cœurs. Et Daniel, normalement, il devait recevoir la réponse instantanément. Parce que l'ange est un être qui a la capacité de se déplacer à la tierce des secondes. Souvenez-vous d'Étienne. La Bible nous dit clairement qu'Étienne avait été amené par le Saint-Esprit. Il a été téléporté, il a été transporté. Amen. Il a été transporté par le Saint-Esprit directement pour aller prêcher l'évangile à l'eunuque éthiopien. Vous voyez ça? Donc, ça veut dire qu'un ange n'a pas besoin de 3 semaines. Parce que 21 jours, c'est 3 semaines. Un ange n'a pas besoin de 3 semaines pour te délivrer un message. Mais quand il y a une opposition, c'est effectivement, ça peut se faire. Et la Bible dit que c'est le prêtre, c'est Michaël qui était venu au secours de l'ange qui avait été envoyé pour permettre à ce qu'il puisse être libéré pour aller délivrer le message. Quelqu'un m'a dit, mais comment un ange va être bloqué? Oui, parce que dans les ordres des anges, il y a des anges de combat, il y a des anges messagers, donc des anges de communication, hein, comme vous entendez parler de l'ange Gabriel, c'est un ange, c'est lui qui est le ministre de la le ministre des affaires étrangères, de la communication, hein. Donc celui qui est là pour venir amener les messages porte-parole du royaume, c'est l'ange Gabriel. Si vous voulez qu'on essaie de le mettre un peu dans notre monde, vous comprenez. Maintenant, vous avez le ministre de la défense. Là, c'est Michaël. Donc, quand il y a un problème, Michaël envoie ses troupes. Il dit, allez, faites ceci, faites ça. Je ne suis pas venu parler de ça. Peut-être une autre fois, nous aurons l'opportunité de pouvoir continuer là-dessus parce que j'avais commencé à parler sur on prend le ministère des anges. Donc, la parole de Dieu nous dit que pendant 21 jours, et Daniel était dans le jeûne et dans la prière. Ouais. Donc, les 21 jours de jeûne ont permis à Daniel de se positionner dans le chronos pour recevoir la révélation de Dieu dans le Kairos, pour recevoir le Kairos de Dieu, donc le temps où Dieu devait parler. Parce que bon, le jeûne est très important, mais il faut savoir quand est-ce qu'il faut rentrer dans le jeûne. On ne rentre pas dans le jeûne juste comme ça. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans le jeûne pour... Il y a des gens qui jeûnent pas parce que Dieu leur a demandé de jeûner. Il y a d'autres personnes qui jeûnent parce qu'ils ont, ils veulent que Dieu fasse quelque chose pour eux. Donc, quelqu'un va rentrer dans le jeûne, va demander à Dieu, Seigneur, fais ceci. En fait, c'est comme pour chercher à accélérer la manifestation de Dieu. Donc, les deux types de personnes-là. Et il y a d'autres qui rentrent dans le jeûne parce que Dieu leur a demandé de jeûner. Tu dois jeûner pendant tant de jours. Tu dois jeûner pendant 40 jours. Tu dois jeûner. Ça, il y a des gens comme ça. On appelle ça des jeûnes surnaturels. Dieu en parle, tu jeûnes. Ça, ce sont des jeûnes où tu n'as même pas faim. Tu n'as même pas envie de quoi. Parce que Dieu lui-même a parlé. Donc, la parole de Dieu que tu as écoutée là, ça garde ton corps sans manger, sans boire, sans avoir aucun désir. Parce que la parole de Dieu a été libérée. Amen. Le jeûne te permettra de pouvoir te positionner dans le chronos pour vivre le kairos de Dieu. Deuxièmement, en dehors du jeûne, le Seigneur, vous savez que le Seigneur a parlé du jeûne. Il a dit lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez, vous ne devez pas paraître bizarre, vous devez vous coiffer, vous devez être bien propre. Parce que c'est quelque chose de personnel. Ne soyez pas là à montrer maintenant que non, je suis dans le jeûne là, je suis en travail. Comme les gens ont l'habitude, non, je suis en travail. Allô, ma fille, tu es où, papa? Je suis en travail, je suis dans un jeûne, je fais un travail. Alléluia. Et beaucoup de gens sont comme ça. Je me rappelle un jour, j'étais avec un mentor, avec le vieux Taïm Daniel. J'étais allé lui rendre visite dans son appartement. Et j'étais en jeûne parce que je préparais un programme. Et puis, c'était aussi à la période de mon mandat de naissance.
mon anniversaire, donc j'étais en train de jeûner un peu, je cherchais la face de Dieu pour qu'il m'explique un peu certaines choses. Je crois que c'est quand je devais prendre 40 ans. J'étais, ouais, parce que quand j'ai plus 40 ans, j'ai dû jeûner. Je fais un jeûne. Pour mes 40 ans, j'avais jeûné. Et là, je vais arriver dans son appartement. Je serai accompagné de certains serviteurs de Dieu. Et il sera en train de manger. Il a bien invité tous les autres. C'est un pasteur qui m'avait accompagné. Venez, mes enfants, venez, nous allons manger. Et puis, il va m'appeler. Il va me dire, tiens, viens, assois-toi à côté de moi. Je suis venu m'asseoir à côté de lui. Il m'a dit, non, voilà, écoute, tu ne manges pas. Je dis, non, papa, je suis en jeûne. Il dit, quoi? Tu es en jeûne? Moi, je suis là avec toi. Toi, tu vas jeûner. Le jour-là, le vieux m'a dépassé. Le vieux m'a dépassé. Il était en train de manger. Vous comprenez? Je parle du vieux Charles Tadidam. Il était en train de manger, il mangeait, il mangeait. Et t'as dit, quitte mon fils, c'était comment? Hein? Viens, 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 viens. Viens, assois-toi à côté de moi. Je me suis assis. Il a dit, pourquoi tu ne manges pas? J'ai dit, je suis en jeûne. Il a dit, moi, je suis là, et toi, tu seras en train de jeûner. Et puis, tous les hommes de Dieu qui étaient là, ils étaient en train de rire, ils se moquaient de moi. Et puis, bon, je ne lui ai pas dit que c'était mon anniversaire, je jeûnais pour mon anniversaire. Et puis après, il a fait quelque chose qui m'a choqué. Il a pris son assiette là où il était en train de manger. Il a dit quelque chose. Je ne sais pas si je dois vous dire ça. Je vais quand même vous dire. Il a dit, moi j'ai jeûné pendant plusieurs mois. Je suis allé dans des montagnes, je ne sais pas dans quel pays là, avec les moines. Parce que lui, il a jeûné avec sa voix où Jésus lui a apparu. J'ai jeûné, jeûné. Écoute mon fils. La même manière que je suis en train de manger dans cette assiette, je te donne l'assiette dans laquelle je mange. La grâce. Là, il faut être spirituel. Vous voyez, non, il faut être spirituel. La grâce qui est sur ma vie, je te la transmets. Il a pris le plat, son assiette, avec l'assiette, le cuillère, la fourchette, ce qui est en train de. Le couteau, il a pris ça, il a mis ça sur ma vie. Là où j'étais. Il a dit, tiens, mange, prends la grâce, je sois l'onction pendant que tu manges. Vous savez, il faut être spirituel. Le Saint-Esprit, ça dit que rapidement, m'a directement dit, mange. Je n'étais pas là pour dire, non, 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 voilà, le vieux là, comment il veut couper mon nom? Non, j'ai compris quelque chose. Le Saint-Esprit m'a ouvert l'intelligence rapidement. J'ai compris que Dieu venait à peine de me positionner. C'est-à-dire que mon jeûne que j'avais fait là, je ne savais même pas que je devais me retrouver avec le vieux Talingano et que le Talingano mangeant devait arrêter de manger et puis me donner son assiette. Là où il mange, il me dit tiens, mange, mange ma nourriture, continue. Vous savez, il y a des gens, quand vous les rencontrez, on ne blague pas. Ce sont des gens qui sont rares. J'ai un frère qui a l'habitude de dire que Talingano, le vieux Charles Talingano, est un serviteur de Dieu hors norme. Ça veut dire que Dieu a partagé les hommes de Dieu au monde. Mais il s'est préservé Talingano. Pour certains d'entre vous qui l'avez déjà écouté, bien pour cela, c'est un papa qui est vraiment merveilleux. Et je l'aime beaucoup. Il m'a permis de voir Jésus d'une autre manière. Malgré le fait que j'étais déjà révérend, il m'a prêché Jésus. Ça veut dire que je me suis assis, il m'a prêché Jésus. Et j'ai vu Jésus différemment. Ce jour-là, un miracle terrible s'est passé. Mon fils, j'ai un fils qui est homme d'affaires, il m'a appelé, il m'a dit, papa, écoute, j'ai une terre que je vais donner à l'église. La première fois de ma vie, un fils m'appelle, il me dit, papa, je vais te donner 4 hectares pour que tu puisses construire le temple que tu m'as montré là. 4 hectares de terre. J'ai appelé un frère, je dis, j'ai appelé d'abord mon épouse, j'ai appelé un frère, je dis, voici ce qui vient de se passer. Et le vieux m'a dit, joyeux anniversaire, mon fils. Ouais, c'est-à-dire que Dieu était en train de me positionner. Le jeûne là que j'avais fait, moi je pensais qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout. Mais Dieu me positionnait pour être assis et manger dans la. Dans l'assiette du vieux Charles Talita. Pour ceux qui connaissent le vieux, ils savent de quoi je parle.
C'est pas n'importe qui. Et il a parlé sur ma vie. Il a dit des choses. Ça dit que j'ai vu des choses basculer par la parole d'un homme que Dieu avait envoyé, un messager. Je crois que mon ministère avait pris un tournant à cet endroit. Encore, c'était une rencontre très forte. Après, il a voyagé, il est rentré en France, parce qu'il vit en France. Et on a continué le travail. Le jeune m'a positionné. Le jeune va faire en sorte que tu sois positionné pour rencontrer quelqu'un d'important qui va t'amener dans le niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle le jeune, au-delà du fait qu'il s'est fait dans le chronos, il a un impact dans le kairos. Il a un impact pour le kairos. Il a un impact pour la manifestation de Dieu dans ta vie. Et tu dois jeûner. Avoir des jeûnes surnaturels, des jeûnes où Dieu vient te dire jeûne. Avoir des jeûnes programmés par toi-même avec la volonté d'aller jusqu'au bout. Pas les jeûnes là où tu jeûnes dès que tu as une bonne nourriture, le jeûne se coupe. Ou bien deux qu'on te dit, oh non, écoute, on va aller au restaurant là. Ou bien non, nous on va au restaurant, comme toi tu jeûnes. Ah, bon, le jeûne là même, là, je coupe ça. Ça là, c'est pas normal. Il y a des gens qui sont comme ça. Je les appelle les plaisantins spirituels. Ça dit que pour voir si la personne est sérieuse dans son jeûne, tu dis, c'est ma bon, on va aller au restaurant demain. Hein? Après, tu vas voir la personne. Ah, bon, le jeûne là, on a coupé. Ça, c'est pas normal. Si tu as décidé de jeûner, sans pourtant que ce soit Dieu qui t'ait demandé de le faire, ce que tu dois pouvoir savoir, c'est que tu dois aller au bout de ton jeûne. Si tu as dit à Dieu, tu vas jeûner. Si tu t'es dit à toi-même, je vais jeûner pendant 30 jours. Jeûne pendant 30 jours et respecte les veilles de prière, les veilles d'heures de prière. C'est-à-dire que pendant ces 30 jours, à tous les jours à une certaine heure, sois là en train de prier. Ça va permettre à ce qu'un autel de prière soit bâti pour toi. Et cet autel de prière va ressembler à une borne spirituelle qui sera là pour permettre à Dieu de venir, de trouver un canal, à l'ange de l'Éternel de trouver un canal. Parce que vous savez, par exemple aujourd'hui, au niveau de Matin de Gloire, Matin de Gloire est devenu aujourd'hui un hôtel de prière. Spirituellement, c'est un hôtel de prière. C'est-à-dire que tous les jours, à 5 heures du matin, le Saint-Esprit, que je le veuille ou pas, par exemple aujourd'hui, à 3 heures du matin, j'étais déjà debout. J'ai dormi tard, mais à 3 heures du matin, j'étais déjà debout. Le Saint-Esprit m'a réveillé à 3 heures du matin et il a commencé à me parler de certaines choses par rapport au ministère, par rapport aux nations, beaucoup, plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est devenu comme ça. Je ne peux pas m'endormir et puis me réveiller avant 4 heures ou bien avant 3h30. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a Matin de Gloire. C'est un hôtel. C'est-à-dire qu'il y a des braises. Il y a du feu. C'est automatiquement, je vais. Même si je rentre, quelle que soit l'heure à laquelle je vais rentrer. Il y a un seul jour, le Saint-Esprit m'avait dit, je veux que tu dormes aujourd'hui. Je m'étais réveillé. J'ai dit, on fait comment, papa? Il m'a dit, je veux que tu dormes aujourd'hui, repose-toi. Je crois que ça devait être un samedi, quelque chose comme ça, le seul jour. Et j'ai respecté. J'étais déjà là au studio, il dit, je veux que tu dormes. Donc, c'est ça un hôtel. C'est-à-dire qu'à force de tous les jours, à la même heure, tous les jours, ça crée un hôtel, ça crée un endroit. Dans le monde de l'esprit, ça devient un hôtel. Et là, le Saint-Esprit vient chaque matin, il vient parler. Là, par exemple, après ces temps de prière, il y a des personnes qui vont, par exemple, s'assoupir et vous allez avoir des visions. Tu vas t'endormir et puis tu vas avoir une vision. Parce que, effectivement, j'étais autour de l'hôtel. Donc, peut-être que tu n'as pas écouté bien ce que le Seigneur est en train de te dire par la parole de l'homme de Dieu. Mais pendant que tu seras en train de dormir, le Saint-Esprit va venir te donner un message dans l'air, dans une vision. Il va te montrer quelque chose que tu dois forcément connaître parce que tu es autour de l'hôtel. Alléluia. Donc, c'est ça quand tu jeûnes. Il faudrait que tu sois capable de bâtir un hôtel de prière. Il faudrait que tu sois capable de pouvoir prier, respecter les heures. Si tu dis, je vais jeûner pendant 3 jours, tu dois savoir que un jour est composé de 24 heures. Et dans 24 heures, il y a 12 heures de jour et il y a 12 heures de nuit. Et dans les 12 heures de nuit, tu dois pouvoir dire, bon, dans les 12 heures de nuit, je vais prendre la moyenne. Je vais prendre au moins 4 heures dans les 12 heures de nuit pour pouvoir prier. Donc, tu vas répartir les 4 heures dans les 12 heures de nuit en 1 heure fois 4.
Parce que 4 fois 3, 12. Donc, c'est ça, 4 fois 3, 12. Si 4 fois 3, c'est 12, c'est la vie que tu vas choisir. Soit tu vas prier 3 fois par. Tu vas prier 3 fois 4 heures, ou bien tu vas dire, tu vas prier 4 fois 4 heures. 4 fois 1 heure. Donc, je le prends. Dans les jours de nuit, il y a 12 heures. Dans les jours de jour, il y a 12 heures. Ça fait 24 heures, ce qui fait un jour. Donc, si tu jeûnes, et tu dis, par exemple, je jeûne pendant 3 jours, tu dois devoir décider. Pendant les 12 heures de jour, ou bien pendant les 12 heures de nuit, je vais prier pendant 4 heures. Maintenant, les 4 heures-là, tu vas les répartir. Ce n'est pas que tu vas prier 4 heures à l'affilée. Tu vas les répartir dans chaque tranche de 3 heures. Parce que 4 fois 3, 12. Donc, tu vas répartir 1 heure dans chaque tranche de 3 heures. Ça veut dire que tous les 3 heures, tu dois prier 1 heure. Ça, c'est si tu décides de faire 4 fois 3. Maintenant, tu peux aussi décider de faire 3 fois 4. Vous voyez? 3 fois 4, cela veut dire que tu vas prier une heure toutes les 4 heures. Ça veut dire que toutes les 4 heures de veille de nuit, tu vas prier une heure. Ça va te faire encore 4 heures de prière que tu auras fait. Alléluia. De la même manière, tu le fais aussi dans les heures de jour. Tu trouves du temps. Donc, tu vas par exemple dire, je vais commencer ma prière à 1 heure du matin. 1 heure du matin, ça va dans les tranches de la veille du jour. Donc, de 0 heures à 3 heures du matin, si tu prends les tranches de 3 heures. Donc, ça te fait une tranche, une veille. De 24 heures à 3 heures du matin, ça te fait une veille de jour. Donc, tu vas devoir prier entre 24 heures et 3 heures. Tu vas prendre une heure dedans, tu vas prier. Après, tu as 3 heures du matin à 6 heures. 3 heures du matin à 6 heures, ça te fait la deuxième veille de jour. Donc, tu vas décider de prier entre 3 heures et 6 heures. Après, tu as de 6 heures à 9 heures. De 6 heures à 9 heures, tu as encore la troisième veille de jour. Là, maintenant, tu dois décider de prier entre 6 heures et 9 heures. Après, tu as maintenant de 9 heures à 12 heures. Donc, de 10 heures à 12 heures. Là encore, tu as la dernière tranche, la quatrième tranche du jour, de veille du jour. Là-dedans, tu vas encore décider de prendre une heure entre 10 heures et 12 heures pour prier. Et quand tu vas rentrer maintenant dans l'après-midi, là, tu vas maintenant dans les tranches de nuit. Ce sont maintenant les veilles de nuit. À partir de midi jusqu'à 15 heures, tu es maintenant dans les veilles du soir. Alléluia. Pour ceux qui ne le savent pas, j'espère que vous avez été instruits. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir, sur chaque 3 heures, avoir une heure où tu pries. Ça va te permettre, dans ton jeûne, de bâtir un hôtel de prière qui sera solide sur les fondements, soit sur les fondements de 3 heures ou sur les fondements de 4 heures. Cela va dépendre de toi. 4 heures, c'est l'équilibre. 3 heures, c'est aussi un équilibre. Alléluia. Et à partir de là, tu vas recevoir des choses que le Seigneur vient de te révéler. Tu seras dans le chronos et tu vas te positionner pour pouvoir vivre le kairos. Deuxième manifestation pour pouvoir vivre, te positionner dans le chronos afin de vivre le kairos de Dieu, c'est l'offrande. La Bible dit dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, à l'heure de l'offrande, c'est là où, comment on l'appelle, Élie le prophète est venu bâtir son hôtel. Élie n'a pas bâti l'hôtel avant. Élie a bâti l'hôtel à l'heure de l'offrande. L'heure de l'offrande est l'un des moments de positionnement dans le chronos pour vivre le kairos. L'heure de l'offrande. À l'heure de l'offrande, la Bible dit que à l'heure de l'offrande, c'était à l'heure de l'offrande que Élie, le prophète de l'homme de Tishbite, le Tishbite, est venu bâtir son hôtel. On ne bâtit pas l'hôtel à tout le monde. On ne bâtit pas l'hôtel n'importe comment. Il y a des heures de manifestation. Et ces différentes tranches d'heures, vous devez pouvoir les étudier. Voilà pourquoi il faut grandir avec le Seigneur. Il ne faut pas seulement être un churchgoer ou encore être là seulement pour chanter les cantiques sans pourtant savoir. Il faut connaître certains principes. Alléluia. À l'heure de l'offrande, il y a l'heure de l'offrande, à l'heure de la prière, il y a tellement de choses. Donc, c'est l'heure de l'offrande, c'est l'heure où Dieu a les yeux sur terre, il regarde. Par exemple, quand vous allez dans vos assemblées, il y a une heure fixée selon la règle de l'Église.
selon le leadership de ce ministère, il y a une heure où on prend l'offrande. Il y a d'autres personnes qui prennent les offrandes juste après l'adoration. Et ils prennent une autre offrande après la prédication. Ça dépend. Amen. Mais à l'heure de l'offrande, selon les règles et les lois fixées dans ces ministères inspirés par le Seigneur, c'est très important de comprendre que là, il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire. Alléluia. À l'heure de l'offrande. Et dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, pour ceux qui aiment bien les Écritures, pour ne pas dire que l'homme de Dieu, il prêche, il ne donne pas les versets bibliques. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement pointus, qui sont bizarres. Alléluia. Verset 36. Un roi, chapitre 18, le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, je vous ai dit la dernière fois, le premier jour quand nous avons commencé, nous avons lu Luc, le chapitre 4, le verset 13. Nous avons dit que le diable s'est éloigné de lui pour un moment favorable. Je vous ai dit, en vous expliquant que le mot kairos signifie aussi le temps opportun. Ça veut dire le moment T. Amen. Donc ici, quand on nous parle, il dit au verset 38 ici, il dit, au verset 36, c'est au moment de la présentation de l'offrande. Ça veut dire que c'est le temps là, c'est là. Alléluia, c'est là. Et l'offrande, tu présentes ça devant Dieu. Ça peut être expliqué parce que l'offrande, tu présentes ça devant Dieu. Quand tu viens devant l'autel de Dieu, tu présentes l'offrande. Cela veut dire que c'est à Dieu. Tu viens devant le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est au moment là où tu peux voir Dieu. C'est au moment là où tu peux entendre Dieu. C'est en ce moment là. Je suis en train de vous parler de quelque chose de très spirituel. Alléluia. Au moment de la présentation de l'offrande. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne reçoivent pas, c'est parce que oui, ils prennent les choses à la légère. Toujours à la légère. Quand, par exemple, en fait, le problème, c'est que le diable a tellement formaté les gens. Le diable a fait penser au monde et aux gens que les pasteurs, ce sont des escrocs. Ils ne font rien dans leur vie. Leur seule chose, c'est seulement de prendre les offrandes des gens, les dîmes, et puis c'est tout. C'est une grande hérésie. C'est un grand mensonge. Le travail d'un pasteur est plus important que le travail d'un chef d'État. La dernière fois, je parlais avec des collègues, je leur disais, écoutez, le travail d'un serviteur de Dieu est plus important que le travail d'un chef d'État. Parce que le chef d'État, lui, n'a rien à voir avec les choses de l'esprit. Le chef de l'État, il gère les choses courantes. Il gère la société. C'est comme un homme qui gère sa maison. C'est comme un homme qui gère sa plantation. Il sait que de tel côté, il a planté le maïs, de tel côté, il a planté la banane, de tel côté, il a planté les vergers. Donc, il sait que, bon, pour pouvoir faire ça, la seule chose, c'est l'économie. Il apprend juste un peu d'économie, comment rationner les choses. Mais l'homme spirituel, il est à la fois dans le domaine physique et il doit aussi pouvoir être capable de suivre dans le domaine de l'esprit. Parce que ce qu'il doit faire dans le domaine physique doit quitter le domaine de l'esprit. Et donc, il doit être capable de taper dans le monde de l'esprit pour ramener ce qu'il a vu dans le monde de l'esprit dans le monde physique. Et cela, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, que nous marchons comme à tâtons, nous voyons en partie. Nous prophétisons en partie. Parce que la tente dans laquelle nous sommes, le corps dans lequel nous sommes, nous fait quelquefois nous joue des tours. Et il faut être capable de discerner. Ah non, là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Là, ce n'est pas Dieu qui est en train de me parler. Là, ce sont mes propres émotions. Mais le président de la République, lui, n'est pas là-dedans. Lui, il appelle le ministre de l'économie. Et c'est quoi là-bas? Comment on peut faire ici? Et puis, c'est tout. Mais l'homme de Dieu, c'est différent. Parce qu'il ne doit pas faire. Non seulement il est dans une bataille permanente. Nous avons des pays qui ne sont pas constamment en guerre. Hein? Il y a des pays qui sont tranquilles et tout. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre de l'Évangile, tu dois savoir que tu es en guerre permanente. C'est quand Jésus va revenir et qu'il va neutraliser Satan que la guerre va finir. Donc, ça dit que tu es quelqu'un qui doit te développer dans un état de guerre. 1 h du matin, tu vas recevoir un coup de fil, on va t'appeler, que non, voilà, papa, ça ne va pas ici, il faut prier. Tu vas te commencer, kabayaba, 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 kabayaba. Tu vas chasser l'esprit. Hein? Donc, vous voyez que ce n'est pas un travail facile. Donc, un homme comme ça,
Dieu a dit, écoute, toi, tu vas avoir pour part. Le salaire que moi, je vais te donner, c'est la dîme. Ce que les peuples me donnent, moi, je te donne ça. Parce que c'est ce qu'elle dit. C'est ce que la Bible dit. Le mot dîme, pour ceux qui ont lu mon livre sur comprendre la dîme et ses avantages, le mot dîme, c'est clair. C'est, ça signifie dixième. Et c'est ce qu'on prélève et qu'on donne à Dieu. Et que Dieu a pris, il a donné aux Lévites. Donc, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que les enfants de Dieu ont du mal à comprendre des choses élémentaires. Mais quand il s'agit du péché, quand il s'agit de tout ce qui est bizarre, là, ils courent. Quand quelqu'un qui ne connaît pas les choses de Dieu va venir leur donner des conseils sur les choses de Dieu, ils vont suivre la personne là. Mais quand ils auront des problèmes spirituels, au lieu d'aller vers la personne qui allait leur donner les conseils pour refuser de faire les choses, d'appliquer les principes de Dieu, ils vont revenir vers le pasteur. Oh, pasteur, il faut prier pour moi parce que ça ne va pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre que l'offrande est un élément qui te permet de te positionner dans le monde spirituel, dans le kairos de Dieu, à partir du chronos. Jésus a dit quelque chose, avant que je ne quitte ce point pour parler dans le thème. Jésus a dit, amassez-vous des trésors éternels à partir des trésors injustes. Qu'est-ce qui est injuste? Quelqu'un m'a posé la question, mais qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire que tout ce qui est sur la terre est injuste. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est injuste parce que c'est périssable. Ça n'a pas de valeur. Ça attrape la roue. Ça se dévalue. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise économique mondiale où aujourd'hui, le dollar perd sa valeur. On parle de récession aux États-Unis. On parle d'inflation. Au niveau de l'Europe, c'est terrible. Les prix augmentent, ça flambe. C'est devenu compliqué. Parce que l'argent perd la valeur. Donc, quelqu'un qui avait... Par exemple, récemment, je suivais un économiste, français qui était en train de dire la dernière fois que le vin, par exemple, quand tu avais 20 euros en 91, quand l'euro était lancé, celui qui avait 20 euros à cette période-là et le 20 euros d'aujourd'hui, le 20 euros d'aujourd'hui a perdu 20% de sa valeur. Donc, ça veut dire que si tu as 20 euros aujourd'hui, en réalité, tu ne l'as pas. Tu as juste au papier, c'est plus 20 euros. Mais la valeur de ça, la même. Ça a perdu le pouvoir d'achat. On appelle ça le pouvoir d'achat. Donc, ce que 20 euros pouvait t'acheter il y a 10 ans, aujourd'hui, ça ne peut plus faire. Ça a perdu la force. C'est ce que Jésus appelle les richesses injustes. Mais Jésus va quand même dire, à partir de ces richesses injustes, faites-vous des richesses éternelles. Cela veut dire quoi? En apportant mon offrande, en soutenant l'œuvre de Dieu, en répondant aux principes que l'homme de Dieu, que les hommes de Dieu donnent. Je me connecte aux principes que j'ai reçus de Dieu à partir de son serviteur. Je ne suis pas en train de parler des pasteurs qui sont escrocs, qui passent leur temps à escroquer les fidèles, mettant des trucs un peu compliqués, créant des virgules. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait que tu reçois la parole de Dieu, on t'explique un principe, on te... C'est scripturaire, c'est biblique. Tu ne peux pas commencer à combattre ça. Je prends un exemple. La Bible dit dans le livre de Job que Job, c'est quelqu'un qui faisait des offrandes à Dieu constamment. Pour lui-même, pour ses enfants, pour sa famille. Quelqu'un va présenter, dit que, ok, ça c'était Job parce que, bon, voilà, c'est l'Ancien Testament. Ok, on va laisser Job. On va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 10. La parole de Dieu nous parle de Corneille, qui était même monnaie, et qui ne faisait que faire des offrandes, des aumônes à Dieu. Et la Bible dit que le salut de Corneille était dû à cause des actions qu'il faisait. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que l'offrande que Corneille faisait l'a positionné dans le chronos pour vivre le kairos de Dieu. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur terre, avant même que le Saint-Esprit ne soit donné à d'autres païens, le premier païen, comme eux-mêmes, il explique qu'il avait reçu le Saint-Esprit, c'était un homme qui faisait les offrandes. Vous comprenez ça? Donc, quelquefois, tu vas voir l'apôtre, tu vas venir, il va dire, non, voilà, fais ton offrande du mois. Commence le mois avec le Seigneur, fais une offrande. Tu vas bouder. Tu boudes, moi, ça ne fait rien. Moi, je suis là. Si toi, tu ne soutiens peut-être pas la chaîne, Dieu va forcément, parce que c'est Dieu qui a dit de faire.
Dieu va faire, Dieu va susciter. En tout cas, Dieu, quand il t'envoie, il va te donner les moyens. Quelqu'un va appeler, ah papa, tiens, j'ai envie de s'aimer. C'est comme ça que ça se passe. Donc, toi qui as le privilège, par exemple, tu as le privilège d'être avec moi, tu as le privilège de me voir, tu as le privilège de... C'est un privilège. Alléluia. Mais tu ne prends pas. Tu te dis non, bon, voilà, en tout cas, on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. Parce que le temps peut venir où la chose te sera prise. Le temps peut venir où tu n'auras pas l'opportunité de faire des offrandes. Parce que tu auras tellement de problèmes que pour faire une offrande, ce sera difficile. Ce sont les offrandes que tu fais maintenant qui vont te soutenir, qui vont te positionner. Alléluia. Jésus va encore dire quelque chose. Il était au culte, il a fini de prêcher, il va dire maintenant c'est l'heure de l'offrande. Il s'est mis à côté de la corbeille. Parce qu'il y a des gens qui commentent beaucoup. Oh non, voilà les pasteurs là. Ils se mettent à côté de la corbeille. Jésus était à côté de la corbeille. Et Jésus était terrible. Voilà pourquoi je dis souvent que si on était à l'époque de Jésus, on devait être parmi ceux qui devaient être crucifiés. Parce qu'il avait des méthodes bizarres, des méthodes hors normes, des choses bizarres que le monsieur a fait. Il va se mettre à côté du tronc. Et puis les gens vont venir, il va dire, montrez vos offrandes. Donc tu vas venir et puis tu ouvres la main comme ça et puis il dit, ok, dépose. C'est là où il avait su que la femme l'avait donné 3 sous. S'il était assis sur l'estrade et puis la corbeille d'offrande est en bas, comment il devait voir que la femme avait reçu 3 sous? C'est parce qu'il était à côté du tronc. Il voyait quelqu'un qui arrive là-bas en boubou, hein, comme un grand patron, et puis il sort, et puis il met 50 000. Il dit, mais regarde-moi un riche comme ça, il vient donner à Dieu seulement 50 000. Ces 50 000-là, ce n'est même pas ce qu'il prend pour aller manger dans les restaurants. Vous savez qu'il y a des gens, un jour, un de mes fils m'a invité dans un restaurant. Ah, je vous dis, c'est-à-dire que toi là, tu vas penser que manger dans un restaurant pour 30 000, tu as beaucoup dépensé. 30 000 francs, parce que je parle du Gabon. Maintenant, je parle de l'Afrique. Donc, par exemple, ici en Europe, tu vas penser que manger dans un restaurant, par exemple, pour 200 euros, tu as beaucoup dépensé. Je vous dis, le jour-là, le fils qui m'avait invité au restaurant, tout le monde n'a pas même nourriture, hein, sur terre-là. Tout le monde ne mange pas la même chose. Je vous parle la vérité. C'est-à-dire que la même boisson là que toi tu vois, que tu achètes au quartier, ou bien que tu achètes chez le boutiquier, peut-être à 1 euro, là-bas ça commence à 10 euros. Tu achètes ça à 1000 francs chez le boutiquier, là-bas ça commence à 6 000. Donc, imagine-toi si la boisson est à 6 000 francs. Le plat là va coûter combien? Et mon fils là, quand lui mange, ça dit que quand on va manger au restaurant, c'est pas un plat. Non, c'est pas ça. C'est une multitude de plats. Ça dit qu'il va aligner les plats là comme ça. Hein? Et puis les plats là, on va même pas finir ça. Parce que tu peux pas manger toute cette nourriture. Et j'étais là, j'étais en train de me poser les questions parce qu'il y a des choses, quand je me dis souvent, en fait, Dieu, tu me fais vivre ça, pourquoi? Pourquoi tu me permets de comprendre des choses comme ça? De voir des choses comme ça? J'ai compris une chose, que sur la table de Dieu, il y a des diversités. Donc, ce jour-là, j'ai dit, mais attends, non, on ne peut pas manger, mais tu sais quoi? Il dit, non, papa, hein, on doit manger tout ce qui est bon, tout ce qui est bon. Et les gens là, dans le restaurant là, ils le connaissent, c'est-à-dire que quand ils savent que le monsieur est arrivé, ils savent que lui là, il ne finit jamais sa nourriture. Donc, on va avoir la nourriture, soit pour ramener à la maison, ou bien je ne sais pas. Enfin, ils savent comment ils font. Un restaurant, ce n'est pas tout le monde qui rentre là-bas. La facture qui est sortie le jour, et la nourriture qu'on n'a pas fini de manger. Ah! J'ai compris que sur la terre, le petit déjeuner de quelqu'un, c'est l'argent du mois de quelqu'un. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le petit déjeuner que quelqu'un prend le matin, pour une autre personne, c'est l'argent de la popote du mois. J'ai dit que la vie est terrible. Mais pourquoi je vous parle de ça? Pour que vous puissiez comprendre une chose. Que Dieu, en son temps, quand Dieu décide
de bénir une personne. Parce que mon fils, là, dont je suis en train de vous parler, là, il est sorti d'un milieu très difficile. Il s'est battu. Par la grâce de Dieu aujourd'hui. Je ne vais pas, certaines personnes, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails pour que certaines personnes ne voient pas de qui je vois et de qui je suis en train de parler. Mais bien aimé, dans le Seigneur, l'offrande que tu refuses de donner, que tu refuses de s'aimer, parce que tu te dis non, c'est ton pasteur qui mange. Tu ne sais pas que c'est cette même offrande qui représente devant Dieu pour toi une voix. Parce que quand tu amènes ton offrande, ça parle. Ton offrande va parler. Ton offrande va dire. La manière dont tu amènes ça, le cœur avec lequel tu amènes ça, ça va parler. Alléluia. L'offrande te positionne dans le chronos pour expérimenter le kairos de Dieu. J'ai dit, l'offrande te positionne dans le chronos pour expérimenter le kairos de Dieu. Ne t'amuse pas avec. Ne donne pas ton oreille à toutes les personnes qui te parlent mal contre l'offrande. J'ai écrit un livre et je vous conseille de le lire. Comprendre l'offrande et ses avantages. Je vous conseille de lire ce livre. Je vous conseille de lire ce livre. Comprendre l'offrande et ses avantages. J'ai écrit ce livre sous instruction du Seigneur. Ça m'a pris 2 semaines pour écrire ce livre. Et le Seigneur m'avait retiré de la ville pour m'amener en retraite. J'ai passé 2 semaines dans une province au nord du Gabon. C'est là où j'ai sorti ces 2 livres-là. Comprendre l'offrande et ses avantages. Et la dîme et ses avantages. Il y avait 3 livres qui étaient sortis. Ça a permis de grandir dans le Seigneur. Donc, je vous dis, bien aimé, il ne faut pas t'amuser avec l'offrande. Alléluia. Ne t'amuse pas avec l'offrande. Si tu as besoin du livre, comprends l'offrande et ses avantages, tu m'écris à morangouministries@gmail.com et puis je t'enverrai le fichier PDF, donc le livre en format PDF. Et c'est gratuit, tu ne le vends pas. Je te l'offrirai pour ton édification, pour ta croissance spirituelle. C'est très, 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 très important. Parce que ça te positionne dans le chronos pour pouvoir vivre le kairos de Dieu. Troisièmement, bien aimé dans le Seigneur, pour finir, c'est le sacrifice. Le Seigneur va dire dans le livre de Psaume, rassemblez-moi mes serviteurs avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. Il n'a pas parlé de tout le monde. Il a dit, rassemblez-moi mes serviteurs, mes élus, mes fils, mes serviteurs, avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. Ça dit que le sacrifice va te positionner aussi. Le sacrifice va faire quoi? Il va te positionner. Quand on parle de sacrifice, on ne parle pas, j'entends souvent, oh non, est-ce que tu peux faire une offrande sacrificielle? Les gens sont contre ça. Sacrificielle. En fait, le mot, ce n'est pas offrande sacrificielle. C'est peut-être un jargon qu'on a souvent utilisé. Mais en fait, c'est le sacrifice. Est-ce que tu peux apporter ton sacrifice? Et cette offrande sacrificielle, ce mot offrande sacrificielle, les gens l'ont pris, du moins le milieu ecclésiastique, donc, certaines personnes qui ont pris ce jargon, ils l'ont pris à partir de l'acte que Abraham avait posé avec Isaac. Donc, d'autres personnes vont dire, est-ce que tu peux apporter ton Isaac? Est-ce que tu peux apporter ton Isaac comme Dieu a apporté son Jésus? Parce que Jésus, c'est un Isaac. Hein? Vous savez ça? Jésus, c'est l'Isaac de Dieu. De la même manière que Isaac n'est pas mort, de la même manière, Jésus n'est pas mort. Pour ceux qui ne le savent pas. Voilà pourquoi on dit qu'Abraham, c'est le père de la foi. Vous comprenez? Voilà, c'est-à-dire qu'on nous parle de Dieu, le Dieu d'Abraham, on nous parle du Père de la foi. Donc, quand on te parle de l'offrande sacrificielle, on est en train de te parler, amène ton Isaac. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Abraham a amené Isaac? Pourquoi l'offrande sacrificielle ou encore l'Isaac est important dans la vie de quelqu'un? Si tu n'es pas prêt à sacrifier ton Isaac, tu n'es pas prêt à aller à un autre niveau avec Dieu. Je parle en connaissance de cause et je suis bien placé pour le dire. Parce que j'ai sacrifié mon Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sacrifies ton Isaac, c'est le seul moment où Dieu jure sur lui-même. Le seul moment où Dieu va jurer sur lui-même, hein, c'est quand une personne amène son Isaac. Le sacrifice.
C'est-à-dire que l'Isaac te positionne dans le chronos pour vivre le kairos de Dieu, même ta génération. Vous comprenez ça? Hein? Le Isaac, ou encore le sacrifice, le front du sacrificiel. Non. Je ne suis pas en train de parler de l'offrande du sacrifice, je suis en train de parler de l'offrande sacrifice. Je suis en train de parler de Isaac. Parce que Isaac, dans les scènes dans le livre de Genèse, Isaac était une offrande difficile à faire. Vous comprenez ça? Une offrande sacrificielle ou encore un Isaac, c'est une offrande difficile à faire. On ne le fait pas n'importe comment. Aujourd'hui, quelqu'un va venir, non, voilà, fais un sacrifice, fais une offrande sacrificielle. Quelqu'un va venir et puis va venir avec, hein, non, voici mon offrande sacrificielle, voici mon sacrifice. Mon ami, vous savez, marcher avec Dieu, il faut savoir prendre des décisions terribles. Si tu n'es pas un homme capable de prendre des décisions qui vont aller à l'encontre même de des amis, ou garder ceux-là qui sont habitués à rester avec toi, tu peux pas. Je vais m'arrêter là bientôt, je vais m'arrêter dans 5 minutes. Demain, c'est samedi, on aura l'opportunité de prier. Il fallait que je partage ça avec vous. C'est très important ce que je suis en train de dire. Tu n'es pas prêt à sacrifier ton Isaac. Tu n'es pas prêt à vivre une nouvelle dimension avec Dieu. À chaque fois que tu devras sacrifier ton Isaac, à chaque fois que Dieu devra te demander un Isaac, ce ne sera jamais facile. Parce que Isaac, c'est tout ce que tu as. Dieu veut te prendre ça. Vous savez, il y a des gens qui disent, j'aime Dieu. Tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu. Quand il va venir te tester, tu sauras si tu l'aimes. Et quand tu as Dieu, je te fais quoi? Et quand il s'agit d'Isaac, quand il s'agit de rentrer dans la dimension sacrificielle, à partir de cet instant, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où tu vas te poser la question de savoir. Donc, Dieu, c'est ça. Alléluia. Donc, Isaac, quand tu arrives à sacrifier ton Isaac, quand tu arrives à offrir ton Isaac à Dieu, hein, à partir de cet instant, tu es positionné. La Bible dit qu'à cause de cela, Abraham, je jure sur moi-même qu'en bénédiction, je te bénirai. Vous savez ce que cela veut dire? Il y a des gens qui ont des bénédictions qui ne sont pas bénis. C'est-à-dire que la personne a une bénédiction, mais la bénédiction... Et c'est à partir de là que j'ai appris qu'en réalité, Dieu peut bénir quelqu'un sans bénir la bénédiction. Ah. Ça veut dire que tu peux avoir une ouverture, tu vas par exemple acquérir une maison, tu vas acquérir un terrain, tu vas acquérir une voiture, mais ça va t'amener trop de problèmes. Et tu vas te poser la question, mais ça c'est quel genre de bénédiction qui m'amène des problèmes comme ça? Je suis toujours en train de payer des choses, toujours en train de... Des problèmes, il faut résoudre des problèmes. Je prends un exemple, quelqu'un par exemple, tu achètes un terrain, ou bien on t'offre un terrain, et puis le terrain, c'est un terrain à problème. Ce n'est pas une bénédiction, mon ami. Ce sont des soucis. Ben, tu te poses la question, est-ce que je, quand je vais bâtir ma maison, quelqu'un ne va pas venir casser ça quand je vais me retourner? Et Dieu va dire à Abraham, Abraham, en bénédiction, il va dire, c'est en anglais, il dit, in blessings, I will bless you. Ça veut dire que je bénirai les bénédictions que je te donne. Je vais t'offrir. Ouais. Est-ce que ta bénédiction est bénie? Alléluia. Il a juré sur lui-même à cause d'Isaac. Est-ce que cette année, tu as donné à Dieu ton Isaac? Tu as commencé l'année avec Isaac. Les gens ne le font pas. Si tu vas dire à quelqu'un, non, apporte ton Isaac. Oh non, les pasteurs, là, c'est des bandits. Mon ami, tu connais ce que Dieu fait pour toi. Tu connais la signification de l'offrande d'Isaac. Tu connais ce que cela veut dire, que quelqu'un prend ce qu'il a de plus important et il donne ça à Dieu. Toi, tu vas sur quelqu'un qui va venir te conseiller, qui va venir te dire, non, voilà, c'est des escrocs, il ne faut pas faire ça. Lui-même, il fait quoi? Il ne fait rien. Bon, mon ami, il faut être wise. Ouais. Vous n'avez pas constaté, faites le constat. Faites le constat. Au-delà du fait qu'on ne connaît pas tous les problèmes que les gens vivent, mais faites le constat. Vous allez vous rendre compte que les gens qui sont assidus dans leur dîme, les gens qui sont assidus dans les offrandes et les gens qui font souvent des sacrifices à Dieu sont plus épanouis dans leur chair, dans leur être, dans leur conscience.
C'est-à-dire que les gens qui le font avec un cœur simple, avec un cœur aimant, pas par contrainte, pas par on te pousse, pas par obligation. Ce sont des gens qui sont totalement différents, qui sont totalement stables, qui sont totalement épanouis. Dieu les soutient dans tout ce qu'ils font. Même quand le trouble les arrive, ils ont toujours une solution qui se présente. Par rapport à d'autres personnes qui ne le font pas, dès qu'ils ont un petit problème, ils sont en crise. Dès qu'ils ont un petit problème, s'ils paniquent, ça va de tout le... Parce que la personne n'est pas assidue dans ses dîmes, dans ses offrandes. Et elle, ça dit que quand elle donne à Dieu, c'est le superflu. Tu sais que tu as, mais tu privilégies d'abord tes projets. Tu privilégies d'abord tes affaires. Tu oublies que tu pries Dieu et que tu demandes à Dieu de te donner. Et le même Dieu l'a dit, je veux d'abord manger le premier. La raison pour laquelle la veuve de Sarepta a été épargnée de la famille, c'est parce qu'elle avait compris le principe. Je donne d'abord à Dieu et puis après moi, je vais manger. La Bible dit qu'il lui restait quoi? Il lui restait un peu de farine avec un peu d'huile. C'était son Isaac. Elle a pris ça. Elle a dit, ah, homme de Dieu, voici seulement ce qui nous reste. Même ça là, quand je vais faire cuire le gâteau là, c'est d'abord au petit enfant là que je vais donner. Parce que moi, je suis grand, je peux mourir. Mais je vais d'abord donner au petit enfant. Ah, les gens sont en train de mourir ici à cause de la famille. Et le prophète va dire, va faire. Moi, je vais d'abord manger. Et puis après, vous allez manger. Et comme l'homme là qui était là avait été envoyé par Dieu, parce que la Bible dit que le Seigneur va parler à Élie, va dire à Élie, j'ai donné instruction. J'ai donné instruction à une veuve de te nourrir. Vous comprenez ça? Donc c'est bien beau. Garde ce que tu as. Mais bien aimé, quand la famille va arriver, tu vas aller crier chez qui? Tu vas aller demander à Dieu. Quand moi j'entends souvent les gens dire, oh Dieu, bénis-moi Dieu. Tu as fait quoi pour Dieu pour que Dieu te bénisse? Je vous ai prêché un message ici, je vous ai dit que la semence, c'est la moisson. La semence, c'est la moisson. Celui qui tient la semence doit s'attendre à pouvoir recevoir une moisson. Celui qui n'a pas de semence ne peut pas s'attendre à recevoir une moisson. Et c'est ça, revient dans ce que je suis en train de dire. De positionner dans le chronos pour vivre le kairos. Si tu n'as pas de semence, comment tu vas pouvoir attendre une moisson? Ce n'est pas possible. Il n'y aura pas de moisson parce que tu n'as pas de champ, parce que tu n'as pas semé, parce que tu n'as rien fait. Oh non, je vais seulement venir prier. Oui, c'est bien. La prière, tu as touché déjà la prière. La prière, tu ne la touches pas. La prière, elle est immatérielle. Mais ton offrande est matérielle. C'est là où j'ai parlé, j'ai dit, la seule chose qui te connecte, la seule chose de matériel qui te connecte à la divinité, c'est l'offrande. Fouille, il n'y a rien d'autre. La seule chose de matériel. Ça dit que j'ai dit, bon, je vais offrir cette Bible en offrande. C'est matériel. J'offre la Bible. Ça me connecte dans le monde spirituel. Alléluia. Parce que j'ai offert, j'ai posé un acte. Donc, arrêtez ce que les gens. Voilà pourquoi les gens souffrent. Voilà pourquoi les gens sont malades. Les gens sont malades. Tout l'argent que tu gagnes, ça va dans les maladies. Parce que tu ne veux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as dit que tu n'as aucune position. Il n'y a pas de position dans le chronos. Tu n'as pas de position. Tu n'es pas positionné dans le chronos pour que le kairos de Dieu te rencontre. Tu es plutôt connecté, tu es positionné dans le chronos pour vivre le kairos de Satan. Toujours des problèmes à gauche, toujours des problèmes à droite. Ça veut dire que toi, tu ne dors même pas. On te poursuit dans les rêves. À chaque fois, on veut finir avec toi. Alléluia. Je vais m'arrêter là parce que c'est très long. C'est un enseignement très long. Nous allons continuer demain. À la grâce de Dieu, si Jésus ne revient pas nous prendre aujourd'hui. Voilà, donc j'ai terminé. Je prie pour toi au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour chaque personne qui s'est connectée ce matin. Je prie au Dieu que tu accordes à tout un chacun la grâce, l'opportunité de pouvoir avoir une vie de jeûne et que tu leur donnes, éternel Dieu de gloire, la faveur et la disponibilité, la disposition de cœur de pouvoir offrir, d'offrir des offrandes de manière constante. Afin que les mêmes offrandes que toi tu as toujours utilisées pour sauver, pour pouvoir envoyer des messagers, soient éternel Père leur partage. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu leur donnes la capacité de donner leur Isaac, d'être capable de t'offrir Isaac, ce qu'ils ont de chair, ce qu'ils ont de valeur, ce qu'ils ont de ce qu'eux-mêmes ils estiment, ce qu'ils chérissent de la même manière qu'Abraham chérissait Isaac. Afin qu'à partir de leur Isaac, démonstration de l'amour et de l'attachement et de la soumission à Dieu totale, ils puissent recevoir
ce que toi tu as donné à Abraham. Seigneur, merci pour cette journée. Nous avons commencé avec toi le lundi. Nous sommes aujourd'hui à vendredi. Je prie que la grâce de vendredi soit sur nous. Ouvre les écluses des cieux et que l'ange que tu as mandaté pour pouvoir contrôler la journée de vendredi puisse agir en notre faveur. Au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole que ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Tu as donné instruction à cette journée de vendredi pour pouvoir veiller sur nous, que ce soit en sécurité, que ce soit en alimentation, en provision, en intelligence, en orientation prophétique. Seigneur, je prie que cela soit applicable maintenant au nom de Jésus. Délivre-nous du malin. Délivre-nous des œuvres du malin. Délivre-nous des actions du malin. Délivre-nous des turpitudes du malin. Au nom de Jésus. Que ton nom soit sanctifié, que nous soyons sanctifiés davantage par ta parole. Laisse que ton nom souffle en notre faveur et qu'elle nous oriente là où toi, éternel, tu veux que nous soyons. Voici ce jour que tu as fait. Glorifie ton nom. Afin que demain, alors que nous allons nous retrouver encore ici, nous allons te rendre grâce pour la journée de vendredi. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Et je vais vous encourager. Je vais vous encourager dans votre marche avec le Seigneur. Au-delà de tout, sachez que le Seigneur est l'être le plus proche de vous. Et que sa main, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Lorsqu'il dit quelque chose, Dieu le fait. Même si tu ne vois pas, mais Dieu le fait. Il travaille. Il ne s'est jamais arrêté. Il veille sur l'homme. Parce que l'homme, c'est son image. Ça ressemble. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Si tu veux bénir notre chaîne, n'hésite pas de pouvoir nous faire un don. N'hésite pas de pouvoir envoyer ton offrande à l'adresse qui est en noir ce matin sur devant ton écran. Tu peux relever cette adresse. Tu peux nous faire un don par PayPal. Notre adresse, mourambouministry@gmail.com. C'est notre compte PayPal aussi. Tu peux le faire à cet endroit. Tu peux aussi le faire par virement bancaire. Tu as l'adresse. Si tu es du côté de Libreville, tu nous suis. Tu peux faire ton offrande ce matin via le numéro RTL qui s'affiche. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce Seigneur soit votre partage. Merci d'avoir été là encore. Shalom. Et l'oméga, le début et la fin de toutes tes choses. Tu étais, tu es et tu seras l'agneau de Dieu qui est dit de ma louange. L'agneau de Dieu qui est dit de ma louange. L'agneau de Dieu qui est dit. Du ciel sur la terre, me réconciliant avec le Père, en pâtissant de plein de grâce, afin que je vive devant sa face. Béni du ciel et sur la terre, me réconciliant avec le Père, en pâtissant et plein de grâce, afin que je vive devant sa face. Ah, ah, ah. Par ta mort, moi j'ai la vie. Par ta vie, moi j'ai la grâce. Car ton sang m'a racheté de la mort et du péché. Par ta mort, moi j'ai la vie. Par ta vie, moi j'ai la grâce. Car ton sang m'a racheté de la mort et du péché. Oh, 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 oh. Ta grâce dans ma vie surabonde. Lorsque moi ton amour déborde, qui m'introduise dans ta plénitude,
quand moi paraît ton attitude. Caresse dans ma vie sur un bord. Lorsque moi ton amour déborde, qui m'introduise dans ta plénitude. Quand moi paraît ton attitude. Oh, 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 oh. Tu étais avant le monde, tu as vécu dans ces mondes. Tu seras après les morts, ton règne est éternel. Tu étais avant les morts, tu as vécu dans ces morts. Tu seras après les morts, ton règne est éternel. Alléluia, 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 ton règne est éternel. Alléluia, alléluia. Alléluia, ton règne est éternel. Oh, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Oh yeah, ton règne est éternel. Alléluia. L'honneur, la gloire à toi, à notre majesté. Toi qui règnes génération à génération. L'alliance est un élément qui nous permet de pouvoir préserver la race, être en sécurité, manger ce que l'on veut, nous multiplier en toute sécurité. Il y a des choses qui sont normales. Tu dois respecter ce que le Seigneur dit. Parce que c'est ce qui a dit la vie. Ce qui te garde, c'est ce que le Seigneur dit. C'est la parole de Dieu qui te garde. La parole qui t'analyse, c'est ce qui te maintient en vie, pas autre chose. Tu ne connais pas ce qui te vient de toi. Quelqu'un viendra te dire ce qui te devient de toi. Et lui va dire. Donc toi, tu vas accepter à cause de l'ignorance. Amen. Pourquoi Jésus dit, mon peuple est péri à manque de connaissance. L'alliance va te préserver de certaines situations que tu ne peux pas combattre. Il y a des démons que tu ne peux pas combattre. Amen. Tu as besoin d'être dans une alliance. Tu ne peux pas être à l'église. Tu as le Père et tu n'es pas en alliance avec cet homme. Amen. C'est pas possible. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, si toi-même tu ne recordes pas, tes enfants vont recorder. Voilà pourquoi il faut toujours faire un prière. Tu as besoin de l'alliance. Tu as besoin de rentrer en alliance avec ton Père spirituel. Sérieusement.